Julie Ricci prête à se marier? Elle donne les détails du jour J. Un mois après son accident avec son fils Gianni, Julie Ricci s'active lentement mais sûrement pour vivre l'un des plus beaux jours de sa vie, son mariage avec PJ. Il y a quelques semaines, Julie Ricci donnait de ses nouvelles et inquiétait ses fans. En effet, la jeune femme et son fils Gianni étaient victimes d'un accident de la route. Ils ont été renversés par une voiture et Julie Ricci avait même dû se faire opérer. Mais depuis, la vie continue et la petite famille est bien déterminée à reprendre son quotidien là où il s'était arrêté. Il y a quelques jours, Julie Ricci rassurait ses fans en publiant un adorable cliché de son bout de chou sur Instagram. Sous la photo de Gianni, on pouvait lire le message suivant. Joyeux 6 mois mon bébé. Au début je ne m'en rendais pas compte quand on me disait profite-en, ça passe vite. Effectivement, quand je regarde des photos de lui à la maternité, je me dis que le temps passe vite et qu'il a bien changé. Baby Gianito Pepito vous souhaite à tous une belle soirée, mais surtout à ses copains les bébés. Et mon bébé a sorti sa première dent du bas, zii, trop rigolo, dièse maman gaga. Julie Ricci se confie sur son fameux jour J. Peu de temps après la naissance de Gianni, Julie Ricci et PJ se mariaient à l'église. Mais la cérémonie n'a pas encore été célébrée comme il se doit et les amoureux comptent bien y remédier. C'est ce qu'a annoncé Julie Ricci qui s'est récemment confiée sur sa vie intime. C'est en regardant 4 mariages pour une lune de miel que Julie Ricci a donné des détails à ce sujet en déclant sur Snapchat. Avec PJ, notre mariage est prévu le 24 août. Dans 5 mois. J'ai rendez-vous en avril chez le meilleur à Lyon pour faire ma robe de mariée sur mesure. On ne sait pas vous, mais chez M's. Nous avons hâte de voir la fameuse tenue de la magnifique Julie Ricci. Julie Ricci a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux et a rassuré ses fans après l'accident dont elle a été victime avec son fils sur Instagram. Il y a quelques jours de cela, Julie Ricci a affolé la toile en annonçant qu'elle et son fils Gianni avaient été victimes d'un accident. En effet, ils ont été renversés par une voiture et la jeune femme a été pas mal blessée. Mais aujourd'hui, tout revient petit à petit à la normale comme elle l'a dévoilé sur Instagram. Une fois rentrée de l'hôpital, Julie Ricci avait pris la parole sur Instagram où elle avait écrit: une journée de repos avec mon mari et notre fils. Merci à mon mari @cabrir qui prend bien soin de nous. Je peux hélas plus bercer mon fils pour l'endormir dans les bras, plus cuisiner, plus étendre le linge, plus faire le bain de mon fils, à vrai dire plus grand chose, car une fois debout j'ai les béquilles en main et ne peux poser mon pied à terre car j'ai des douleurs assez fortes avec des courbatures de partout. C'est pas tip top mais c'est ainsi, alors je fais avec. J'ai l'impression d'être inutile à la maison pour mon fils et mon mari, ça m'embête BCP, mais PJ est un super papa. Julie Ricci rassure ses fans sur Instagram. Cette fois-ci, la belle brune a donné de ses nouvelles avec une note plus joyeuse puisqu'elle a posté une photo de son petit bout de chou. Julie Ricci qui s'est confiée sur sa vie intime a ainsi déclaré: joyeux 6 mois mon bébé. Au début je ne m'en rendais pas compte quand on me disait profite-en, ça passe vite.
Effectivement, quand je regarde des photos de lui à la maternité, je me dis que le temps passe vite et qu'il a bien changé. Baby Gianito Pepito vous souhaite à tous une belle soirée, mais surtout à ses copains les bébés. Et mon bébé a sorti sa première dent du basilic, trop rigolo, dièse maman gaga. Voilà de quoi rassurer ceux qui s'inquiétaient pour Julie Ricci, qui s'est livrée comme jamais.